Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuel, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite course détente sur GTA V en compagnie de mes abonnés. Donc on voit qu'il y a Monsef25, Akanat, Akenat pardon, DTC, Xbolos, ok d'accord, Wasin the King, ok ça c'est fait, Popip Dead. Nous avons aussi Commando X8, WA5L Légende, Ninestar 951, The Cascadeur 77, Envil Yuri et le dernier qui fait la danse du ventre, mon frais du 22. Donc la prochaine fois, essayez de choisir un peu des gamer tags un peu plus simples à prononcer, s'il vous plaît, parce que c'est un peu dur à prononcer en vidéo, surtout quand. Quand on se feuille dans les pseudos, c'est assez chiant. Je vais pas vous l'accorde. C'est assez chiant. Surtout quand on se fait, surtout qu'on n'a pas envie de se tromper. Après, les pseudos, on les connaît pas forcément. Donc, du coup, on bégaye, on bug. Bref, c'est assez le bordel. Du coup, voilà, on se retrouve tout simplement pour une petite course avec mes abonnés avant la rentrée. Voilà, tranquillou. Pour vous dire 2-3 trucs. Voilà, juste une course détente. Je pense que j'en ferai plus souvent. Et je vais vous dire tout simplement 2-3 trucs. Avec parfois peut-être des fous rires parce que là ça a l'air d'être vraiment le bordel. Ils ont vraiment l'air d'être déterminés à tout sauter sur leur passage. La course n'est pas très longue, je pense que j'en ferai une autre après, on verra bien. Enfin bref, juste vous dire 2-3 trucs. Déjà un grand merci à vous parce qu'on est quasiment 40, on est bientôt 50 000 sur ma chaîne. Vous êtes 50 000 abonnés à vous être abonnés à ma chaîne, c'est juste énormissime. Je pensais vraiment pas en arriver là, là c'est vraiment sérieux. Je pensais même pas déjà atteindre les 1000 abonnés avec ma chaîne. Voilà, je me disais, oh, voilà, on va partager mon savoir de glitch. Et voilà, grâce à vous, je réalise un peu mon rêve, c'est assez de ouf. Après il y a la rentrée, mais bon ça je l'ai dit hier, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Voilà, et si jamais, là il y en a beaucoup qui vont critiquer, ouais tu fais ça pour l'argent et tout, bref. Mais... si jamais vous cherchez des t-shirts avec mon pseudo ou même un logo de loup, mon logo, etc. Je vous invite tout simplement à aller voir dans la description. J'ai créé un shop, c'est mon partenaire qui a créé un shop avec des t-shirts pour moi. Donc si jamais vous êtes tenté pour en avoir un, pour en acheter, à vous de voir. J'ai un de me fail, on n'arrive vraiment pas à passer ce point, c'est assez galère. Un truc aussi en ce qui concerne ce qu'il y a sur... le site, les prix ne viennent pas de moi ni de mon partenaire, mais viennent tout simplement du site en lui-même. Donc voilà, faut pas. C'est pas moi qui ai décidé des prix. Si j'aurais pu mettre un prix, j'aurais mis beaucoup moins cher. Mais je suis vraiment désolé pour le prix. Voilà, juste petite parenthèse sur ça. Un autre truc aussi, c'est que les courses là, cette course là va vraiment être basique. Les prochaines, parce que je pense en faire très souvent des courses comme ça, ils sont très basiques aussi. Mais d'ici une semaine et demie à deux semaines. Je vous l'ai dit hier dans ma vidéo, j'ai pu commander, aujourd'hui même, j'ai tout simplement commandé le reste du matériel qui me manquait pour finaliser et finir mon PC. Donc c'était un SSD, le clavier plus la souris. Voilà, il me manquait juste ça. J'ai tout commandé, je devrais recevoir ça lundi ou mardi prochain je pense. Du coup, voilà, juste pour vous informer, de toute manière je vous dirai sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez me rejoindre, hein, tous les liens se trouveront dans la description. C'est pareil. Voilà, juste petite parenthèse, comme ça il y aura des montages un peu plus fun sur ma chaîne, je pense que ça vous plaira. Non, non, j'ai raté le point, c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Je vais me couper les couilles. C'est n'importe quoi, mais pourquoi, comment j'ai pu rater le point? C'est à chier en fait. Voilà, je me suis tout simplement fait, c'est dégueulasse quoi. Putain, mais je me retrouve 11ème quoi. Hop là, voilà, bon là ça le passe easy, voilà on le passe crème, voilà le point il passe crème, voilà, il est passé crème. Du coup voilà, les prochaines courses comme ça, il y aura sûrement des petits bruitages, des petites images qui apparaîtront sur l'écran, histoire que ce soit un peu plus drôle, voilà tout simplement. Donc la course va bientôt se finir, je sais pas si on va faire une autre, je pense que oui, ça peut être fun. La ligne d'arrivée est juste là-bas. Alors je comprends pas pourquoi il faut faire un saut. Alors qu'en passant juste sur le côté, tu peux tout simplement arriver
jusqu'à la ligne d'arrivée. Je viens d'exploser et en plus je suis sûr que je ne vais même pas avoir le temps de terminer la course. Là il y en a beaucoup qui vont se foutre de ma gueule dans la, dans les commentaires. Vous avez le droit, franchement, je vous l'accorde, vous avez le droit, je me suis fait battre par mes abonnés. Voilà, je me suis fait un peu défoncer, j'ai le seum. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. J'espère juste que j'ai pas freeze. Non, c'est bon, j'ai pas freeze. On sait jamais parce qu'avec ce jeu... Donc j'ai mon écran a figé. Hein. Mon écran a figé. Mon écran est tout simplement figé, je ne comprends pas, monsieur. Ah voilà, c'est bon. Donc je suis tout simplement non classé. Ça m'étonne pas vraiment, de toute manière. Oh là là. 200$. Pour ceux qui sont sur Xbox, hein, si vous voulez, je vous mettrai le lien de cette course dans la description pour ceux que ça tenterait d'aller voir. Donc c'est quelqu'un avec un crâne chauve, quasiment avec une moitié de calvitie, qui a gagné la course. J'ai l'impression qu'il me ressemblait un peu ce personnage, il avait écrit vainqueur. What? Alors je suis premier. Alors si on regarde bien le classement, je suis premier sans être premier. Franchement, on voit qu'il y a du niveau sur les serveurs de Rockstar, on voit qu'il y a du niveau, il y a de la recherche, c'est franchement énormissime, c'est trop bien. C'est trop bien. On va refaire une autre petite course, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, bon, on va refaire la même, comme ça, il n'y aura pas de soucis. On va refaire la même avec les abonnés, je leur fais encore une fois une grosse dédicace, je vous remercie encore tous pour bientôt les 50 000 abonnés. Je vous prépare vraiment un truc énorme, je fais une dédicace à... Look at 10 qui va me réaliser quelque chose. Je vous en dis pas plus, vous verrez aux 50 000 abonnés. Mais en tout cas j'espère vraiment que ça vous plaira. La personne va passer énormément de temps à faire ce petit montage. Des personnes vont dire que c'est un petit montage, mais franchement ça va vraiment donner de la balle. Je vous prévois ça pour les 50 000 abonnés. On est à 48 400, encore 1600. Mais voilà, je pense que c'est la rentrée, là il y a tout le monde, tous les parents qui sont en train de dire « Ouais, c'est la rentrée, tu vas pas jouer à la console, tu vas pas jouer à GTA V, tu vas pas regarder les vidéos sur internet. » Ils sont tous en train de dire ça les parents, mais on connaît tous la suite. Ça passe une semaine, ça passe deux semaines, et après deux semaines, on sait très bien que tout le monde rejoue à la console. Donc c'est exactement les mêmes personnes que tout à l'heure, je leur fais une dédicace. Ah, il y a ZG Electro qui était pas là tout à l'heure, je lui ai pas fait de dédicace. Voilà, toi t'étais là tout à l'heure, Poppy Dead aussi, Nofri du 22, Oh Legend, Wasim the King, Wa55LM11, ok, Mosef25 et moi-même. Voilà, on sait très bien qu'à la rentrée, les parents vont dire ouais, tu vas te coucher tôt, tu vas arrêter de jouer à la console, tu vas travailler. On sait tous que personne ne respecte ça, on le sait. Que ce soit un mec qui a 10 ans, un mec qui a 13 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans. C'est très bien que ça va pas se passer comme ça moi-même. Mes parents me disent ouais, tu vas arrêter de jouer à la console, tu vas arrêter de faire tes vidéos, tu vas en faire moins, il faudra que tu te concentres sur ton bac et tout. Mais on sait très bien. Déjà moi je pourrais pas arrêter les vidéos parce qu'ils savent déjà que c'est ma passion, ils peuvent pas m'empêcher de faire ça. Voilà, je m'empêcherai pas de jouer. Bon, certes que j'ai le bac à la fin de l'année, bien évidemment je jouerai un peu moins parce qu'il faudra que je révise, mais voilà, ça sera juste pendant une période. Voilà, ça s'arrêtera là. Sinon, il y a le truc aussi qui est fétiche des gens qui rentrent à l'école, à la rentrée surtout. Mais ça, c'est tout, ça se passe toujours comme ça. Vous pouvez pas le nier. Ceux qui le nient, c'est des menteurs en fait, tout simplement. C'est le genre de ouais, je vais à l'école. C'est la rentrée. Alors moi, c'est la rentrée. Là, je veux vraiment être déterminé. Je vais ranger bien mon classeur et mon cahier et je ferai mes devoirs et je réviserai tous les soirs. On sait très bien. De toi à moi, franchement. Vous allez le dire en commentaire, mais de toi à moi, franchement, vous savez très bien que personne ne fait ça. Personne n'arrive à respecter cela. On est bien d'accord? Non! Le mur qui m'a arrêté, c'est dégueulasse! Mais pourquoi t'as mis un mur? Pourquoi t'as mis un mur ici? Pourquoi? Tu es quelqu'un de sadique! Tu es le frère de Hitler ou un truc comme ça, je sais pas, c'est pas possible! La blague était nulle, c'est vrai. Mais ouais, donc du coup, on sait très bien que personne ne va respecter ça. Ok, super, ok, pas de soucis, ouais, d'accord, ok, pas de soucis, le petit vol tranquille. Donc on va attendre que tout le monde passe afin de pouvoir passer, faire le saut tranquillou. Bah, parce que là il y a une Bugatti qui est bloquée, voilà, je pense qu'on va pouvoir passer tranquillement. Voilà, ça passe, et encore ce putain de mur qui m'arrête, super. Là les abonnés vont dire, ah Virtus tu rages et tout. C'est vrai, je rage, oui, oui, mais tout le monde rage, hein. On peut pas s'empêcher de rager de toute manière. Je suis une personne qui me dit qu'il a joué à un jeu vidéo et qu'il a jamais ragé. Alors t'as deux choix.
soit tu dis la vérité ou soit t'as le droit de te couper les couilles. À toi de voir. Donc j'ai encore loupé le point, bravo. J'ai compris en fait, le saut faut le prendre en haut parce que si tu le prends en bas, tu l'as raté. Ouais. Du coup, vous me direz. J'ai parti dans un hors sujet là, je sais pas pourquoi. Mais bref, vous me le direz dans les commentaires. Vous le savez très bien de vous à moi que on ne respecte jamais ça. Donc là, je suis passé à côté du point. Ouais. On respecte jamais ça. Toutes les phrases de ouais, je vais travailler, je vais arrêter de jouer, je vais arrêter d'aller sur Facebook. On le sait très bien. De toi, moi, franchement, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous le savez très bien, on ne respecte pas ça. Moi-même, je l'ai fait. Je l'ai toujours dit à mes parents, je l'ai toujours dit dans ma tête. Franchement, j'ai jamais réussi à le tenir. Hein. Moi, j'ai jamais réussi, tout simplement. Donc, il reste 20 secondes pour terminer la course. Là, on passe en mode... quel mode? En mode super rapide. On va pas prendre le saut. Non! Non! Non, il m'a carotte! Non, je me suis fait carotte! Oh non! Oh la merde! Oh non! Mais non, mais... mais non, je me suis fait carotte! Non, mais ça fait deux fois que je suis non classé face à mes abonnés, quoi. Donc les abonnés ont gagné. C'est un petit duel comme ça, voilà. Peut-être que ça pourrait donner un petit truc assez sympatoche. En tout cas, c'était une course avec les abonnés. Je les remercie tous d'avoir participé, de pas trop avoir foutu la merde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les parties qui foutent la merde. Là, ils ont été assez sympatoches entre eux. On voit qu'ils ont pas forcément ils se sont pas forcément fait de tête à queue. Je vois qu'ils sont en train de parler ensemble. Je vous fais à tous une grosse dédicace. Et du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes. Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Rejoignez-moi sur Facebook et Twitter. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.